Père, grâce de Dieu, c'est avec vous tous, chers amis, une fois encore sous Télé l'Église. On va suivre l'émission, nous, Bible en main. Déjà, nous avons un paquet de pasteurs qui sont sous console là, qui sont prêts pour commencer. Nous allons commencer avec Pasteur Paul Mathias, qui est orateur nous. Pasteur Paul, c'est avec plaisir, nous saluons au nom de Jésus-Christ. Bonsoir, Maïsso Desrosiers, et bonsoir tout près nous qui soulignent. Que bon Dieu bénisse nous toutes. Nous dis merci. Dis merci à l'opportunité nous gagner encore pour c'est nous-mêmes qui y a une possibilité pour nous déchiffrer parole mon Dieu. Nous t'ai commencé avec Matthieu chapitre 24 et nous connaissons certainement Matthieu 24 t'a voyé nous côté de besoin aller. Et Matthieu chapitre 24 t'ai commencé avec une simple question disciple t'ai posé Jésus concernant la construction du temple, et Jésus t'est profité lui-même, dit monsieur Yo, et lui connaît avec certitude, et en va longtemps, pas gen yon pierre sa yo, nan wash sa yo, qui construit bâtiment sa qui était si merveilleux, mais pas gen yon la dan yo pral rete sans yo pas renverser. Et bien, c'est comme ça, monsieur Yo, et curiosité, monsieur Yo t'est touché, et yo t'est arrivé pis devant. Il était obligé de retourner en privé à faire Jésus question ça pour dire Jésus c'est qui le bagage sera privé et qui le fin du monde la privé et Jésus te baillot toute réponse ça et il était dit au grand pile faux prophète qui a venu grand pile faux Christ qui a venu et les nous tout bagage ça a fait nous pas besoin peur mais c'est pas encore la fin. Et nous sommes arrivés dans la deuxième semaine, dans la deuxième émission. Hein? Nous sommes touchés avec surtout à partir de verset 15, côté Jésus te dit, monsieur, yo, et lorsque il y aurait l'abomination de la désolation rivée, et le ça, son point tournant dans le moment qui pralvini, son point tournant, et surtout dans l'époque. Grande tribulation qui cette dernière semaine, Daniel t'a prophétisé sous lui dans Daniel 9, 24, il t'a prophétisé sous 70 semaines qui vient pour arriver sous peuple là, et 69 passé, 70e an, l'elle arrivé et elle t'a dit dans Matthieu, dans Daniel 9, 26 là, que peuple a fait alliance avec plusieurs pendant une semaine, elle t'a dit pendant la moitié de la semaine, et la moitié de la semaine, c'est le point tournant, c'est lui-même que Jésus pointé du doigt là, il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint que celui qui lit fasse attention. Et c'est à partir de ce point qu'on sait d'événements qui déclenchaient, événements ça qui déclenchaient là, et ces événements vraiment, et nous t'a dit, qui vraiment écœurant, événements ça yo, arrivé et nous t'a couvri, et à partir de nous t'a passé sous. Et ça, Jésus t'a dit qu'à priver comme signe, et monde qui a couru, caché, prier pour ce qui pas arriver en hiver, ni un jour de sabbat, malheur aux femmes qui seront enceintes, et etc. Ça aussi, bagay qui a privé, dans mi-temps, grande tribulation, hein, lorsque Israël a bien pour la cacher dans le désert qui correspond avec Apocalypse chapitre 12, côté femme, a bien pour la cacher dans le désert là pendant 1260 jours. Et concurremment, le chapitre 13, le verset 5 nous dit que l'antéchrist ou la bête politique lui-même l'a proféré des paroles arrogantes et des blasphèmes contre Dieu pendant 1260 jours qui égale à même et période de temps qui est dans chapitre 12 verset 6 et qui dit que femme n'a pas le cacher pendant 3 ans et demi et prophète faux prophète ah, pas faux prophète là mais l'antéchrist là l'a parlé de lui-même la paix fait blasphème contre bon Dieu. C'est même époque ça. Et les noms nous t'ai couvri jusqu'aux environs verset 20, 28, 29 environ. Et à soir, nous t'avons prendre à partir du verset 29 et puis nous avons marché la dernière. Et bien que les questions qui ont été posées et te permettent que nous t'ai entré, et nous t'ai entré dans matériel, grosso modo, nous t'ai entré dans matériel que nous avons couvri à soir. Mais nous voulons de toute façon couvrir et peut-être entrer un peu plus profondément là-dedans, et qui est capable, quoi, qui a suscité beaucoup plus de questions aussi bien.
et c'est le même c'est reste passage là ce que après Jésus fait une conversation. Alors dans la même conversation hein, et on arrive dans le verset 29, Jésus dit aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Nous comprenons bien que la fait référence, bien entendu, à encore la fin de la deuxième partie de la 70e semaine que Daniel t'a parlé. Et elle dit là, il dit tout ça pourrait arriver et a bien détresse, soleil là pas bail lumière encore, etc. Et une partie qui est importante dans verset pour moi lorsque il dit et la puissance des cieux seront ébranlées. Et moi comprendre elle parlait de puissance des cieux et qui a ébranlé là, l'état voulait faire me penser aussi à sa qui dit dans Apocalypse là et lorsque il dit une question dans chapitre 11 je me rappelle pas et qui dit que Michel et ses anges combattirent contre le dragon il chavireo la guerre sous la terre et ceci et puissance ça yo que nous te joignons dans Éphésiens parler donc qui dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les princes et les esprits méchants dans les lieux célestes etc. Nous comprenons que puissance ça y a détrôné, il a déplacé sur le côté OEA, il a tombé sur le côté OEA et il a tombé sous la terre et c'est Michel lui-même et ses anges qui ont fait bagaille ça arriver. Le verset 30 nous dit alors le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Voilà encore côté les passages là clair pour nous côté Jésus lui-même les guettant prédit ça pourrait arriver qui Jean ça pourrait le faire lorsque le après arriver pour lui et pour le retourner et le fils de l'homme c'est Jésus qui apparaît dans le ciel et côté et tout monde sous la terre toute tribu qui gagne sous la terre et il y a pas voyé j'ai regardé avec étonnement et pour yo Jésus qui a venu avec grande gloire et encore nous songer moi by référence là plusieurs fois dans les jours passés dans Zacharie chapitre 14 et lorsque Zacharie dit le verset 5 il dit vous fuirez dans la vallée de mes montagnes car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Zèle vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias roi de Juda et l'Éternel mon Dieu viendra et tous ses saints avec lui et l'Éternel mon Dieu viendra certainement l'Éternel qui est l'Éternel et là que Zacharie a parlé nous quoi il a fait référence définitivement à Jésus-Christ qui vient pour venir établir lui en Moyen-Orient et la venir établir en Israël pour le capable accomplir promesse à bon Dieu qui fait avec David, il était dit lui il y a petite ligne pour chita sur royaume venir. Alors passage là et ben donc là il dit les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire que Jésus-Christ a venu. Et ensuite le verset 31 nous dit il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre coins, des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et nous comprenons certainement, c'est ça qui vient pour faire dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, lorsqu'elle dit et à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants nous serons transformés ensuite pour nous aller à la rencontre du Seigneur. Nous comprenons ces versets, ça fait référence directement à événement ça qui est pour arriver, quand Jean-Paul expliquait lui dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, et dans 1 Corinthiens 15, verset 52. Et il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche.
eh bien, je pense que c'est une comparaison et qui fait là, lorsque Jésus dit ça là, c'est dit, il dit nous, le nous ouais, événement yo a privé, événement avant coureur yo, le nous ouais a privé, le nous gade nous ouais, tout ça le te dit qu'a fait yo, et li ouais, nous ouais, tout ça a fait, le monde en branle, et le monde un peu farfouillé, un peu confus, et n'a pas gardé pour nous ouais ça, les hommes a fait, et sous la terre, c'est bagay qui, vraiment exécrable, et c'est bagay, d'a dit, ou pas ta jambe, quoi que, ou t'ava attendé, ou t'ava ouais, mais là, nous ouais, tout bagay sera privé, c'est signe, avant coureur, quand coureur Jean, et Jésus t'a dit, disciples, dans la réponse là, dans verset précédent, yo, li te dit yo, les nouveaux bagages sera privé, li dou sa yo poko la fin. Mais ça c'est trois quêtes là. Charles a gen pou venir. Et mais c'est ainsi que nous quoi dans verset ça spécifiquement verset 32, li dit les nou gade nou wè branche boyau un peu tendre et que feuille yo a poussé n'a va konnen le ça n'a entré dans l'été a pas loin pour arriver et même Jean que les nouveaux événements ça yo la venue du Christ n'est pas trop loin non plus. Elle dit de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et c'est ça, censé dire là. Il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Elle dit, dans le verset 35, nous dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors ça c'est une constatation, c'est une affirmation, c'est un appui et pour monde qui croit en parole Jésus yo, parce que il dit parole li yo et certainement yo pas jamais passé et passage ça et tout de suite après li nous t'a dit que li un peu parallèle à Apocalypse chapitre 19. Alors l'aime dit parallèle là et parallèle en ce sens que l'elle a parlé de ça yo et nous est entré dans semaine grande tribulation etc. et l'elle nous parlait dans chapitre 19 au verset 11 jusqu'au verset 21 et lui montrer où côté et tout de suite après que nous est victoire côté victoire, Jésus commençait sous bête là, et sous la première bête, qui c'est la bête politique, et le faux prophète, qui c'est la bête politico-religieuse. Et qui t'en lit pour dans Apocalypse chapitre 19, il dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux était comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alors, nous comprenons, pas aucun doute là-dedans. C'est Jésus-Christ qui a décrit là. Et il était revêtu d'un vêtement blanc, teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, il foulera la cuve du vin, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et c'est pas ça, ça me fait référence avec Lila, dans chapitre, dans côté MT, dans Matthieu 24 là, et le verset environ 31, côté et les dit nous là que Jésus ces personnages là qu'a décrit là et l'Elvini ne lui dit dans verset 14 là armée du ciel lui a suivi nous venons dans Zacharie 14 là et côté il dit l'Éternel mon Dieu reviendra et tous ses saints avec lui bien que les saints fait référence à au sein de l'église qui était enlevé 7 ans auparavant il a retourné avec lui vin installer yo vin dans royaume non avec lui sur la terre. Et ceci, la terre, ce ne sera pas encore la nouvelle terre, mais ce sera encore cette même terre. Mais ce côté, nous t'a dit, la justice
a habité parce que gouvernement pral gagnant c'est pas un gouvernement canan faux encore parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui voit et un royaume qui là c'est royaume et Jésus-Christ lui-même pas qu'a gagne fraude là-dedans pas qu'a gagne nègre qui fait et pas qu'a gagne compte bulletin pas qu'a gagne mauvais comptage bulletin pas qu'a gagne nègre qui fait qu'a fait campagne drôle parce que c'est Jésus qui voit et Gonti chanté qui dit et toute la terre va changer mais c'est Jésus parce que c'est le Jésus va voir et là on a continué dans verset 16 il dit il y avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Nous songez bien que et la Bible dit nous tout genou gagne pour fléchir devant Jésus. Tout genou tel qu'il en soit tout obligé et fléchi devant Jésus. Pour qui ça obligé fléchi? Parce que il est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Et là, il dit non, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et moment ça a pas arrivé parce que jusqu'à présent encore, Jésus est dans le ciel, l'hypocovini pour établir royaume non. Et c'est ça que fait bien des hommes jusqu'à présent. Et capé lancer des paroles rébarbatives, capé lancer des propos rébarbatifs concernant Jésus-Christ, capé lancer des invectives même et contre le christianisme et contre Dieu et en rien pas arrivé yo parce que moment pas arrivé pour Jésus-Christ entrer en fonction royale et le ça pour tout genou obligé plier devant lui. J'en dis dans le verset 17, et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux volant par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Mais qui festin ça a yé? Que ces oiseaux l'aprélé pour venir participer, pour qui ça fait, c'est pas moun l'aprélé pour venir participer, on nous lit. Il dit, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. C'est ça nous relève communément la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon, la fête au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lorsque la descend, c'est saint avec lui, et l'armée du ciel sera avec lui, il combattra tous ceux-là qui s'assembleront dans l'intention de néantiser Israël et Jésus-Christ lui-même l'a venu l'a exterminer avec l'épée de sa bouche et c'est ça que fait l'inviter les oiseaux, les vautours, les inviter les oiseaux du ciel pour venir fêter, pour venir manger chez viande chef militaire parce qu'il y a mouru dépouillé après à terre et ces oiseaux yo qui viennent manger yo. Il dit je vis la bête et les rois de la terre, la bête politique et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Il dit et la bête fut prise et avec elle le faux prophète et c'est là encore nous devons faire bien attention, ces deux personnages bien distincts et différents l'un de l'autre. Et bien que gan pile moun qui fait interprétation, là ou fait interprétation pour dit que la bête et yo dit c'est le pape. Et la bête parce que dit le pape c'est une bête politico-religieuse. Nous comprendre la papauté et représenter plutôt le faux prophète parce que c'est la bête politico-religieuse, faudrait-il bien qu'il soit un personnage religieux pour le capable et induit moun yo en erreur pour faire yo et adorer l'image de la première bête qui c'est bête politique là qui dans chapitre 13 Apocalypse là dans verset premier environ premier à 8 et il dit que et la bête fut prise et avec la bête le faux prophète, c'est deux personnages, le leader politique, l'antéchrist principal et le numéro 2 de la trinité satanique. Et le faux prophète, qui c'est numéro 3 dans la Trinité satanique là, avec Satan le diable, c'est le premier personnage là. Il dit le faux prophète qui avait fait devant elle
les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Qui t'aime relire ça encore? Lisez, la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Extrêmement important là. Il dit, ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Il dit, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Mes amis, quelle scène extraordinaire. Et monsieur Sayo a fait un pile prodige, il a fait un pile gros bagaille au point que, et s'il était possible, comme Mathieu dit, même Elio Yotava arriver séduit, mais pas possible. C'est bon Dieu pas permettre ça arriver. Et, mais nous comprenons très bien que pendant l'autre a déchiré, Jésus a tué, mais le faux prophète et la bête, yo même yo pas tué, Jésus pas tué, la voyait tout vivant aller dans le feu éternel. Tout vivant la prend yo, et ceci et de monsieur ça yo, y a entré dans le feu éternel 1000 ans avant tout l'autre monde yo qui prend la dedans avec yo. Y a pas entré la dedans, y a guet en fait 1000 ans la dernière, parce que pendant le royaume millénaire Satan a enchaîné qui gagne pour aller dans le feu éternel. Mais pendant Satan enchaîné, pourquoi dans du feu? Mais deux monsieur ça yo qui te prend pouvoir dans main ni pour séduire moun sur la terre, yo praler dans le feu éternel avant Lucifer même entrer là-dedans. Et c'est extraordinaire. Maintenant, et faudrait-il bien que nous touchions le chapitre 20 et surtout les quelques versets, il dit, dans le premier verset, il dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon. Et nous sommes capables de comprendre pour quelle raison il était important pour Michel t'es obligé lutter contre le dragon, contre Satan qui était habité dans les lieux célestes. Et Michel t'es obligé de jeter le vin sous la terre. Parce que le connaît, c'est là où tu as besoin, monsieur. Il faut que vous mettez le côté au besoin. Non, l'heure est arrivé pour mettre mes souliers pour Marie-Li. Eh bien, on vient avec Chenny. Il dit, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Qui te font clarification là? Il y a une théologie de Yoa, son théologie ténébreuse, qui dit que l'Église aura à passer dans la grande tribulation. Après la grande tribulation, l'Église sera enlevée au ciel pour 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, Satan et ses anges seront sur la terre, sur une terre vacante, parce que tout l'autre monde qui est sur la terre va mourir. Théologie, ça est triste. Et un monde qui croit là-dedans aussi, je me demande, est-ce qu'on n'a aucune compréhension de la parole de Dieu? C'est une interprétation qui est vraiment macabre, son interprétation qui est vraiment triste, et il faut qu'on fasse attention pendant qu'on fait interprétation pour ne pas tomber dans la doctrine démoniaque comme l'apôtre Paul t'avait. La Bible claire, là, Paul dit nous, et le faux prophète et l'antéchrist a tombé dans l'étang de soufre de feu. Elle dit nous, Satan, gon ange qui a sauté dans le ciel, qui a marré Satan, qui a enchaîné Satan pendant 1000 ans, il a jeté dans l'abîme et puis il fait mène. Et dans verset 2, elle dit, il s'assit, il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et puis devant le pralouet, pour qui raison aussi,
y a permettre li gon ti bout liberté tout petit. Moi espérer, moi faire un éclairage là pour moun qui qu'on a parlé avec moi et puis qui dit moi non, l'église a pas passer 1000 ans dans le ciel. L'église pas pas faire 1000 ans dans le ciel. L'église pas passer une semaine qui c'est 7 ans dans le ciel. L'église a retourné quand Zacharie 14 5 dit nous avec Jésus-Christ et Jésus a entré là dès Jésus rivé ange là Marie Satan mettait dans l'abîme pour 1000 ans. Pendant ce temps la paix a régné sous la terre et royaume Davidique là royaume nan a fonctionné normalement sur la terre. Regardez verset 4 à 6 disons. 4 à 6 lui dit et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Où ça? Ce sera sur la terre. Si ils régneront avec Jésus-Christ sur la terre, mais la terre pas qu'à vacante, et Satan a déjà fermé pendant ces 1000 ans. Est-ce que vous comprenez ça? Nous comprenons que moun sa yo, le verset 5, encore nous dit que, verset 4 plutôt, il dit, je vis des trônes à ceux qui s'y assirent, furent donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, les martyrs, hein? Ce seront les martyrs. Et il dit, qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Moun sa qui résistait, qui persévérait, Daniel, et pas Daniel, mais plutôt Matthieu 24, 13, il dit non, moun qui a persévéré jusqu'à la fin, moun sa yo, y a sauvé. Et m'te dit non, c'est pas parole qui gagne rapport avec chrétien jodia, parce que chrétien sauvé une fois pour toutes, par la puissance de Dieu, pas gagné nous qu'a fait. Pour saluer nous, absolument. Nous pas qu'à ni faire effort pour nous gagner, nous pas qu'à ni faire effort pour nous perdre, c'est un acquis de Dieu et c'est lui-même seul qui a pouvoir sur lui et le pape Bali pour le retirer. Mais cependant, monde qui persévère jusqu'à la fin, c'est monde ça yo et qui vient devenu martyr yo et c'est de yo là à faire référence à yo là. Il dit et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie. La résurrection, si nous songeons, nous t'ai parlé nous aussi de la première résurrection. La première résurrection c'est une résurrection à plusieurs phases. Et Jésus, c'est premier monde qui fait partie de la première résurrection. N'a deuxième groupement qui fait partie de la première résurrection. Les martyrs, eux aussi, a fait partie de la première résurrection. Et les saints de l'Ancien Testament, y a fait au même tout partie de la deuxième, de la première résurrection, parce que la résurrection est première en qualité, parce que Jésus fait partie de lui, faudrait-il bien que c'est première, c'est la première de toutes les résurrections. Et il dit le verset 5, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Ok? C'est la première résurrection. Et le verset 6 nous dit, heureux et saint, mais on l'autre béatitude encore que nous joignons dans le livre là, heureux, il y a 7 là-dedans, il dit heureux et saint ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Si ce n'est pas dans le ciel, l'Église sera de retour avec le Christ, et c'est sur la terre qu'elle régnera avec son Seigneur pendant ces 1000 ans. OK? Et les versets 7 jusqu'au verset 14, et parlez-nous du jugement du grand trône blanc, et jugement du grand trône blanc, qui est juste lié en deux versets la dernière, et tout simplement. Et il dit le verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, et afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée
mais un feu descendra du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Voilà. Et M. Sao, 1000 ans auparavant, il était entré dans du feu. Il y a 1000 ans, Nek Sao a dansé tia 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 patianga, toute qualité de danse dans du feu, parce que il était quitté Satan utilisé. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et quitter m'a juste lu verset 14 là pour me pas pour me capable ban nous le pour me poser question. Et l'idée la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est bagaille tout à fait extraordinaire. Et nous avons un coup d'œil brièvement sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Dans le chapitre 21, les versets, les 8 premiers versets, côté, il montre nous bien côté, gagner de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et sur cette nouvelle terre, et la nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Et pour venir là, et c'est là Jésus a habité avec nous, il dit nous, nous pas besoin soleil, nous pas besoin la lune, et n'appelle la présence du Seigneur, la présence de Jésus, c'est lui-même qui va lumière. Et pour nous, c'est ça que fait. Moun qui dit moun, le sabbat sera observé dans l'éternité, et ce n'est pas vrai. Parce que pour qu'il y ait sabbat, faudrait-il bien qu'il y ait le cycle des jours, le cycle des 7 jours. Tandis que la lune ne sera plus, et le soleil ne sera plus pas capable de gagner le cycle des jours, c'est le jour éternel. On sera dans l'éternité comme étant une journée qui n'est pas jamais finie et dans la présence, mais cependant, on sera dans le repos éternel, dans la félicité éternelle avec Jésus-Christ. Et le verset 22, l'état de la Nouvelle Jérusalem, dans chapitre 22, m'a quitté nous-mêmes le soin pour nous avaler le signe des questions sous l'île, capable là, Dani. Et maintenant, à vous de poser des questions. Chers amis téléspectateurs sous télé l'église, on va suivre Bible en main, pasteur Paul Mathias, en pile information déjà tombée. Monsieur, en pile question tout pareil. On connaît qu'il y a en pile monde qui a question. Ordinairement toujours lancer pour un bien là et puis pour me poser une question pendant que l'autre monde yo absensé réfléchit, tourner sur nous-mêmes. Pasteur Paul, Pasteur Mathias. Yes, sir. Nous connaissons que pendant 1260 jours, les enfants d'Israël, c'est-à-dire qu'Israël était obligé de cacher pour Antéchrist là, qui a persécuté, ou fait mentionner là. En pile théologien, parlait de Petra, qui est dans Jordanie, que c'est dans le désert Sahara, que ils ont obligé de cacher. Est-ce que faut nous pas ta douter sous sa théologie ou déjà qu'on est pour y parler de Petra? Parce que si elle caché, ça veut dire que c'est doué y a un côté qui secret pour y pas qu'à joindre. Par contre, sous la côté mieux, faut pas ta qu'à joindre. Mais si déjà qu'on y a moins qu'on est ou qu'on est et mieux qu'on est, c'est dans Petra, dans le désert ça, Jordanie, que y a pas le caché. Mais il n'est pas secret encore. So, 1260 jours cachés là, il n'y a pas qu'à joindre. Comment comprendre ça? Est-ce que n'a pas continué à dire c'est Petra, s'il connu? Par contre, tout à côté mien. Oui, moi, je connais très bien. Et semaine dernière, là, nous t'avons brièvement parlé sous ça. Qui t'aime dit Petra, c'est une ville et qui fait à l'intérieur d'une montagne. Et c'est pas des blocs ou des briques yo poté pour construire les murs de la ville, c'est roche qui forme montagne, yo taillé roche là et puis yo fait ville, yo fait des chambres
yo fait nan mi gen centre-ville et puis yo fait des tombeaux aussi pour les dirigeants, pour les dignitaires de la ville. Et c'est une ville extraordinaire, hein, et qui bien malheureux et au fil des ans groupement qui était et on dit planté ville ça dans mi temps montagne nan, et groupement ça disparaître. Mais Villa était là, c'est côté Jordanie, fait un pile l'argent là-dedans parce que son lieu touristique est devenu, parce que son est très attirant. Et c'est un, on t'a dit, lui semblait à un côté, c'est comme on t'a dit, l'opéra pour ta Wally, bien que pourquoi là-dedans, mais on a regardé lui dans la vidéo et dans la photo, où est ce côté, son côté qui bien chita. Li semblait vrai si t'avais un côté et yon bagay kon sa kakou Israël a caché d'après ça nous ka comprendre. Li semblait c'est là le takal caché vrai. Mais premièrement, le pape ka prend tout Israël pour toute quantité parce que la moitié de la population ira en captivité et sera dans le désert. Et deuxièmement, bon, la Bible dit nous, li pralé dans yon ville qui t'aime l'île. Dans chapitre 12, Apocalypse 12, li dit la femme s'enfuit dans le désert. Où elle avait un lieu préparé par Dieu. Si c'est par Dieu, premièrement, je ne pas penser Petra qui est préparé par Dieu. Mon peuple qui était préparé Petra. Il dit c'est préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. C'est pas pour nous. C'est pas à nous de décider qui côté ça y est, puisque c'est bon Dieu qui a préparé le pour lui. Moi comprendre côté la fête là et mon ataka konnen kon sa pou getan ap vann ni sou tèt et puis pou ap mache di c'est là Israël pral caché son li semblé on côté yon groupe moun k ap caché ta va rentré là ça le semblé. D'ailleurs si nous gade ça le dit pi devant li dit nous antéchrist la l'ouvri bouche li lancé yon rivière derrière Israël pou ta englouti li. Bon Dieu permet que la terre avale. Alors m'pense ces paroles et figurative qui utilisait pour montrer où que l'antéchrist là li voyait l'armée li aller pour le prendre Israël et bon Dieu intervenu li imposé au rivé. C'est pas que au pape qu'on côté lié non, il y a vrai côté lié, mais au pape qui arrivé moyenne parce que li non lieu que bon Dieu préparé pour lui. Alors on pensait que nous ta doit suspendre fait parole mettez dans bouche bon Dieu. Ou bien les bon Dieu dit la font bagay. C'est même genre avec Sarah, avec Sarahi, avec Agar. Bon Dieu dit la baye Agar yon petit. Agar gade gen 90 ans pourquoi Agar non Sarah pourquoi kote 4 petit d'absouti. Et puis Sarah dit carrément ah mais non c'est m'pap capable faire petit parce que comme m'getan kote menopause moi passé longtemps. M'pap capable faire petit et puis Sarah décide pour bon Dieu que et Abraham mette à le coucher avec Sarah et c'est ça que bail toute kachaboum de gen dans le monde aujourd'hui a conflit et arabe avec l'autre nation et nous comprendre que nous ta doit apprendre leçon ça pour ne pas faire faux pas ça encore. Bon Dieu dit la prépare en place quitter bon Dieu préparer place li l'est le arrivé navare côté le préparer. Définitivement. Exactly. Parce que en pile théologien pensait le comme ça, il dit le comme ça. So nous devons clarifier que si son côté bon Dieu pral choisi et puis nous c'est pas un bagage qui était doué déjà you know pour pas un secret. Comprendre so, autrement nous a dit que il y a kembe israélite. Ou soutenir de l'église ou suivre Bible en main, ces questions qu'a posé. Nous connaissons un pile question sur table là déjà. Moi-même, moi j'ai un pile question. Parce que Mathias, nous connaissons bon Jean ou café pour faire réponse très courte en façon pour nous capable poser question yo. N'a ouvri pour l'autre monde poser question. Est-ce que des monde qui a question dans moment ça pour poser question ou capable voir dans chat comme là en l'air sous bord droite. Ou capable voyer un texte tout n'a joini ou bien nous capable ouvrir le bar kounya ou capable poser ouvertement kounya là.
Pasteur Mathias, gon l'autre question. Vas-y. OK. Nan royaume Jésus-Christ kap vin établi en Israël, à Jérusalem. Est-ce que déjà gen côté dans Bible là qui mentionnait non quelques serviteurs longtemps qui pral fait partie du royaume ça ensemble avec Jésus-Christ? Alors, je m'excuse, répétez question moi. Est-ce que gagner quelque côté dans Bible en tant qu'un suspect que quelques serviteurs, Noé, Abraham, Moïse, David, Théo, en Israël, est-ce que quelque côté dans Bible il mentionné ou bien fait nous penser que gagner quelque dans l'exil qui va jouer rôle dans le royaume? Matthieu, chapitre 25, le verset 11. C'est moi, petit moment. Non, c'est pas les mêmes. Les semble c'est 11, 25. Ok, qui était mal là, Dani? 11, 8 ou 25, 8. Lydie, plusieurs viendront. Alors, ma paraphrase est parce que juste pour qu'on tombe sous passage là, il dit que plusieurs viendront des quatre coins cardinaux et ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob et dans le royaume. Quittez-moi si nous avons nos références là directement, même juste paraphraser pour nous. Il dit plusieurs viendront. Matthieu 8, verset 11. Oui, c'est là de moyen. Merci, Pasteur Gandhi. Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Merci. Alors, tu dis, fais le coup, m'a dit. Nous fais le coup. OK, est-ce qu'il y a l'autre question? C'est pas une question, on a poussé parce que nous avons une question. Pasteur Mathias, vous avez besoin pour moi éclaircissement? Oui, Pasteur Gandhi, allez-y. Pasteur Gandhi, allez-y. Ok. Alors, il y a un passage. Je suis content que encore Pasteur Mathias ait fait une belle, encore une fois, s'ouvrir les structures et plusieurs phases dans la première résurrection. On met deux questions de dire. Oui, mais ça me dit que nous sommes ici lorsque Jean, qui font élire vision, hein, dans le chapitre 4, il dit que Jean, ou au moins, Jean, qui on voit, dit monsieur, monte ici. Ok? Donc Jean monte dans le ciel là pour voir des visions. Il voit les 24 heures, il voit tout comme ça. Et puis, pendant les ans, le chapitre 7, Kounia, Dieu dit que qui envoie qui ne fait pas de mal à la terre ni à la mer jusqu'à ce que nous ayons marqué juste le fond des serviteurs de Dieu. Et Kounia, Dieu dit gentil et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués. On suit jusque là? Oui, oui. Donc elle dit que j'entendais parce que j'entendais dans le ciel les paroles, ils tendaient à marquer 54 000 hommes, 12 000 de chaque tribu d'Israël. Kounia ça, il tendait. Mais Kounia là, ce qui est intéressant, c'est que le chapitre 14, Kounia a dit aux gens, ouais, pour une fois, le chapitre 16, il tendait que c'était marqué 54 000, comme une coupe de monde spécial, n'est-ce pas? Kounia, le chapitre 14, Kounia a dit, ouais, ministère, il y a 54 000 qui avec l'agneau devant le trône de Dieu et yo son groupe spécial qui est vierge et dans la bouche pas qu'il y a aucun mensonge. Donc moun sa yo formé on connaît maestro de Jacques mais ça yo formé un grand chorale parce que personne pas qu'à apprendre cantique ça qui se connaît 54 000 qui était devant l'agneau et devant le trône de Dieu. Yo pas à Jérusalem, yo pas dans la nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de temps qui était arrivé dans le règne millénaire. Mais bien avant, Jean Royo, n'est-ce pas, devant le trône de Dieu, a chanté
avec l'agneau dans chapitre 14. Kounya men ak mwen kote monsieur ça va passer. Non bon donc nous certainement gayon enlèvement qui fait de sélection ça parce que comment fait que chapitre 7 je dis tenter le nombre de monde qui était marqué du saut 54 000 et puis kounya dans chapitre 14 je ouais tout le monde ça yo qui est devant l'agneau et devant Dieu qui a chanté en quantique, il a accompagné l'agneau partout il va, comme si c'est une sorte de groupe de monde qui sont prémices, que vous voyez, côté Jésus, allez, il est là et il chante en quantique, personne ne peut apprendre, si c'est dans les 54 000, il a chanté devant l'agneau et devant le trône de Dieu. Merci, très bien. Oui, alors, qui question, qui clarification fait? Alors, mes clarifications. Dans chapitre 12, il dit qu'on a que il y a une guerre dans le ciel. N'est-ce pas, il y a une guerre dans le ciel? Et Kounia dit que l'archange Michel battit le diable et ses anges. Et lorsque le battit, dit que et la femme en faute et en fait mal. Et il dit l'enfant mal, ça fut enlevé vers Dieu et vers son trône. N'est-ce pas? Et puis, Léon veut accueillir, dit que tout de suite après, lorsque il voit que l'enfant mal a enlevé, et puis Kounia, lorsque l'enfant mal a enlevé, et puis il dit que la femme qui était enfant et enfant mal, il s'enfuit dans le désert, et puis il ne peut pas dans le désert pour y préparer un lieu. Pour être 1260 jours. Donc, ça veut dire que, ouais, certainement, que là, apparemment, c'est l'enlèvement de l'enfant mal qui représentait les 54 000 hommes. Parce que Israël n'a pas été pris pour cacher dans le désert pendant 1260 jours, qui pour 3 heures et demie. Mais l'enfant mal, ça, qui est enlevé, l'y enlever, et puis immédiatement après, la femme, ça, qui est Israël, qui enfantait l'enfant mal, ça, l'a caché dans le désert pendant 1260 jours. Donc, Mkawe, certainement, qui laisse l'enlèvement de l'enfant mal, qui représentait les hommes, 54 000 hommes qui enlevaient vers Dieu et vers son trône. Parce que, monsieur Sayo, on va? All right. L'enfant mal, là, elle décrit là, dans le chapitre 12, il dit, l'enfant mal, il dit, elle enfanta un fils qui aura à paître les nations. D'ailleurs, c'est définition au bord de l'enfant mal, là, c'est Jésus-Christ. L'Apocalypse, il n'est pas fait pas en arrière. OK? Lorsqu'il a parlé, il a dit des choses qui doivent arriver bientôt. Alright, so, lorsque il a parlé de Jésus-Christ, il n'a pas retourne en arrière pour dire quoi que l'enfant mal fut enlevé et puis qu'on y a Israël a caché pendant 1260 jours avec un peu de précision. Donc, est-ce que après Jésus t'a enlevé vers son trône, est-ce que Israël t'a allé pendant t'a caché dans le désert pendant 1260 on lui a préparé par Dieu. Tout événement a passé. Yo. Si tout événement a écrit quand j'ai dit dans le premier livre, il y a m'pa kwè volume libre la tab gen volume assez pou ta kembe yo. C'est pas immédiatement l'enfant mal là enlevé au ciel là que Israël a caché dans le désert, non? Moun sa yo qui c'est 144 000 moun yo. C'est 144 000 grand moun garçon, c'est pas 144 000 ti moun. Li parle de yon enfant mal qui c'est l'enfant Jésus qui est incarné et ensuite li enlevé au ciel après la mort et ensuite la résurrection l'enlevé au ciel. Et qu'on y a vu après, mais ça qui est arrivé, il dit la femme aura s'enfui dans le désert. C'est comme d'abord, après chaque verset, il y a longtemps, c'est même avec Genèse chapitre 1er, verset 1er et chapitre 2. Nous ne savons pas combien de temps qui existe dans chapitre, verset 1er et verset 2. Je pense que c'est même bagarre là. Et la parler de. Alors, ça a supposé, il y a son supposition, parce que l'IPAI est là, et c'est ça nous veut éviter fait. Selon règle herméneutique, nous ne pas capables de prendre un texte, détacher le contexte, l'assembler en prétexte, sinon on va le faire comme ça. Il parler de.
144 000 là, li parle aussi de deux témoins yo, li pa di 144 000 là en réalité qui Jean yo fait trouver là. Mais qui est yo te wè dans chapitre 7 là en bas l'hôtel là devant mon Dieu? N'était-ce pas les mentirs? Et kounya le décret, est-ce qu'elle dit qu'importe ce qui passé, c'est que monsieur Sayo, les 144 000 Jean wè yo clairement sur le mont sur la montagne de Sion à marcher, c'est ça qui est important pour nous là. Et quel que soit Jean bon Dieu te prend yo là, l'essentiel yo là avec lui, mais nous pas qu'à spéculer pour nous dire mais qui Jean te prend parce qu'il pas dit nous rien le prend. Merci, merci. En pile question déjà parce que dit moi mes interactions ça. OK. Mes interactions ça parce que c'est ça pour faire étude là puis intéressant, faut gagner opinion tout à fait différentes, you know, c'est comme ça nous voulons. Mais nous n'avons pas qu'une autre question, m'a quitté Bralbano pour nous poser une question parce que moi, en pile, mon d'a prend note. M'a brablo sous télé l'église, ou à suivre l'émission Bible en mai. C'est pasteur Mathias qui aura théâtre, qui en pile, pasteur sous console là, pour poser question, il y a plusieurs façons capables de poser question, ou capable, même sous texte, même m'a joué, sous utiliser chat qui en l'air, bord droite là, ou à écrire, m'a joué. Ou bien sous faire interaction directement, m'a toujours joindre. Donc on va réfléchir toujours qui te pose on une question tout petit à pasteur Mathias pendant que l'autre monde a préparé question. Les disciples tap exigé Jésus pour dire qu'il est la fin. OK? Il ba yo en pile bagaille, donc il dit yo ou après ça a fait, ou après ça a fait, ou après on nation, les écoutons l'autre, ou après en pile, you know, etc. Nous connaissons déjà. Et puis, dernier salba là, qui c'est mot clé, c'est ou bral wè que Pierre Figué a commencé pour ses feuilles, qui voulait dire, d'après en pile théologien, qui c'est Israël qui vient nous reprendre pied. Et ceci, Israël reprend pied depuis 1948. C'est pour me venir avec question m'a posé là parce que Jésus dit en vérité génération ça la pouet le toit ou bien la pouet la fin de 1948 à nos jours déjà 70 ans right si OK dans mathématiques là déjà 70 ans est-ce que dans ce cas si une génération d'après Bible là you know l'homme d'âge doit vivre 70 ans et puis les plus robustes 80 ans. C'est-à-dire que, est-ce que nous avons dit qu'on y a pasteur Mathias, c'est sous Willib, n'a pas couru là pour retour ou bien pour faire arriver parce que 48, soit et 2000 ou bien 2020, étant dans 70 ans. So, qui sont les cas nous dans ça? Est-ce que nous sous Willib ou bien il y a plus le temps pour arrêter toujours? Moi pense que une pi gwo erreur yon moun capable fait c'est lorsque ou a essayé mettre date faire rendez-vous qu'il est Jésus-Christ après retourner quel que soit événement et yon moun wè qui semblait avec ça la Bible dit pas courir al fouri doit pour dire ça c'est l'heure à Jésus-Christ retourner parce que Jésus-Christ dit pièce moun pa konnen. Et en pile grand théologien tombé déjà il a essayé et mettre date et nous songeait plusieurs là dans yo t'es gagné Charles Taze Roussel en 1914 t'es gagné Arthur qui c'est fondateur mouvement adventiste en 1843-1844 et Latrier. Et plus près de nous, en 1993, c'était Gérald Kemping qui t'a dit que Jésus-Christ a retourné. Etc. Alors, moi, je comprends que c'est même ça. Nous avons dit ça tout à l'heure. Là, il te dit génération ça. Il dit génération ça, en parlant depuis le premier siècle, là, oui. Il te dit génération ça, par passé. Alors, l'expression utilisée, nous avons besoin de faire un petit peu plus prudence. Quelquefois, nous tellement envie qu'on est. Quelquefois, nous tellement besoin de paraître comme monde qui arrive à détecter. Et ou bien découvrir des choses cachées et puis nous faire pile fausse interprétation. Moi pense, nous t'as pas besoin d'aller étudier passage là à fond et puis et garder comment expression ça a utilisé dans l'autre passage en Bible là en va pour nous apprécier parce que c'est le dernier monde qui prend d'accord avec un monde Gabim dans telle époque Jésus-Christ après tout.
Definitely. N'a pas rappelé mon nom, nous connaissons aucune question. N'a pas tant de questions, il y a diverses façons de poser questions. Ou qu'à utiliser chat là, ou qu'à utiliser voyer texte ban nous. Pasteur Mathias, pendant ce temps, est-ce qu'on est capable de rafraîchir nous un peu sur qui pouvoir, c'est-à-dire gouvernement, et moi je voulais pour ta mentionner pays, cap là, comme première puissance, les Jésus vini pour craser et pouvoir ça yo dans guerre Armageddon. Of course, nous connaissons l'antéchrist à plat, mais est-ce que vous pouvez pointer des pays même qui a plat, you know, tant qu'on y a sous ta dit, ouais, américain, là, on comme plus grande puissance, est-ce que vous pouvez pointer des pays qui a plat pour faire face à guerre Armageddon, les Jésus-Christ venus pour bataille? Moi pense nous devons éviter pour ne pas trop dogmatique et puis pour ne pas faire interprétation pas en place. Qui t'aimerait lire ça encore pour nous dans Apocalypse chapitre 19. Le verset 13 dit et je vis la bête et les rois de la terre. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Il dit la bête et les rois de la terre et leurs armées. Pas dit nous qui est. Mais cependant, les nous retournons en arrière et lorsque bon Dieu te baille Nebuchadnezzar vision dans Daniel chapitre 2, il te décrit quatre empires pour lui. Quatre empires ça yo. Il te dit le premier empire là, c'est l'empire babylonien avec Nebuchadnezzar comme chef, qui était la tête d'or de la statue, et qui aussi représenté par le lion, on connaît Daniel chapitre 7. Et deuxième, non, c'est buste et qui en argent, qui représenté par l'empire médo-perse. Et troisième, non, c'est l'empire grec, et qui c'est l'Erin. Et quatrième, non, c'est l'Empire romain qui est représenté par les deux jambes de la statue qui en fer et en argile. Il te dit, nous avons 10 orteils qui représentent les 10 états, et ou les 10 rois, les 10 états, et il y a 11e roi qui est une petite corne qui apparaît, qui est l'Antéchrist là. À part de ça, il n'y a pas dit nous dans le détail, aucun pays actuel que nous connaissons, excepté les pays qui formaient l'Empire romain, les non pays là, et m'a pas répéter ça m'a ouais. Thank you, Pasteur Mathias. On prend un petit parti ça pour un petit moment pour nous donner notre petite question tout court. En plus, monde, nous connaissons ça, presque en général, des pour monde mourir, ils ont dit ou al dans le ciel, ou bien ou al dans l'enfer. Bon, Américain même dit, de vous mourir par les gens qui ont fait tout le monde dans le ciel. Nous comptons ça. So, dans le cas, est-ce que vous façon êtes capable, plus ou moins, très court, râler, un petit râler, les gens qui mourir qui vont y aller? You know, une façon pour éclaircir, pour ne pas en dire, dans le ciel tout droit. Est-ce que c'est ça? Qui répond sur ta capa nous? Dans le sens, les gens qui mourir, qui vont y aller? Jésus te dit dans Jean 14, et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Moi, comprendre que, puisque l'apôtre Paul te dit, et c'est fait, mais la mort, c'est fait, mais j'aime bon ici, l'ouvrir le bon l'autre bon. Moi, comprendre que quelque part, dans le ciel de Dieu, il y a un lieu côté les âmes des chrétiens à reposer yo yal tan la résurrection, mais là nous dit dans ciel li un peu confus parce que Jésus-Christ est pour le tourner pour quoi moun sa yo ressusciter. Moi comprendre les quoi ressusciter nam na quoi retourner ensemble encore, c'est le ça et le ça seulement yo pral dans la présence de Dieu dans dans la maison de Dieu côté Jésus a préparé pour nous. Côté Jésus a préparé, et c'est pas là les moun mouri ou aller, mais moi que c'est quelque part dans le ciel parce que l'apôtre Paul dit que et il est allé dans la présence de Dieu lorsque mouri quelque part dans le ciel.
et nous devons faire en pile prudence et en pile attention. Et d'ailleurs, Jésus te bah, yon illustration dans Luc, Lazare et le riche. Les Lazare mourit, les riches la mourit, les ou les anges de Dieu te transportent Lazare dans le sein d'Abraham. Et c'est seule illustration nous gagnons et qui semblait avec ça. Et la question se pose maintenant là. Et le faux riche, que moi relé li, moi comprendre lui-même, l'aller non lieu qui c'est yon antichambre du tourment éternel, tandis que l'autre là dans l'antichambre de la félicité éternelle. Alors c'est comme ça, me comprendre la différence là. Mais là, on moun mouri, je pense que nous-mêmes, chrétiens, et surtout nos frères pasteurs, Pata Dou Abdi, est-elle aller dans le ciel parce que. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas allé quelque part, quelque part dans la présence de Dieu, mais c'est éviter porter à confusion parce que en pile monde, là autant des pasteurs ou dit ça, ils ont répété le cas comme d'abord des poumons dans le ciel. Si on monte poumons dans le ciel, que Jésus a préparé, dans ce cas, nous n'avons pas besoin de résurrection et Jésus n'a pas besoin de tourner non plus. Très bien, pasteur Mathias. Parce que en pile dans nous connaissons un exemple riche avec pauvre Lazare, so, c'est une référence que nous gagnons. Qui bat nos figures, qui bat nos yon aperçu, qui va nous aller, ou bien, etc. So, nous comprenons ça très bien, pasteur Mathias. Une petite question tout petit, après ça, yon l'autre monde. Pasteur Mathias, est-ce que, en général, bon Dieu, qu'a détruit ou bien détruit mauvais esprit? Ou bien capable de détruire Satan, complètement détruit. Alors, raison pour nous dire ça, c'est parce que nous, à pile fois, esprit qui impertinent, c'est toi, bon Dieu, chasser-le. Ou bien, si nous avons dit Satan pour l'emprisonner, pour le voir dans la Bible, parce qu'il n'est pas détruit. Ou bien, mettre-le en quarantaine, en façon comme ça. Est-ce que nous avons dit, depuis son question d'esprit, question bagaille spirituelle, pas de destruction totale pour lui, c'est éloigner, emprisonner, mettre en quarantaine. Qui lumière t'a capoté sous ça pour nous, s'il vous plaît? Moi, comprendre la façon bon Dieu opérer, les différents de façon nous-mêmes d'opérer. Et moi, comprendre que ça, bon Dieu, baille, là où elle baille, il va retirer la main ou non. Liba et la vie, c'est par exemple, c'est la principe la sortie pour nous dire que moun qui sauvé, une fois qu'on sauvé, ou bien salut, net allé. Et moun qui sauvé tout, pas qu'à demeurer dans le péché. Parce que nous comprenons, mais c'est même principe là, que les Satan péché, bon Dieu chassé loin, et les hommes péché, bon Dieu chasse les hommes loin ni, mais il fait grâce aux hommes. Il voulait Jésus-Christ venir mourir, monde qui accepte Jésus et pour venir justifier et puis on marcher dans la sanctification, il retirer au sous chemin pour aller dans le feu éternel où il y a pour vivre avec lui dans la félicité éternelle. Mais au cas contraire, les mêmes gens avec tout l'autre monde qui pas accepté et pour accepter Jésus ou pour aller dans le feu éternel, ou pour aller en quarantaine éternelle. Et c'est comme ça, bon Dieu, opérer son seul bagage, quoi, bon Dieu, pas capable de faire, pas capable de pécher. Mais le cas fait ça, il était qu'à disparaître, il était qu'à dissoudre Adam et Ève, il était qu'à dissoudre Satan avec Ange Lio. Mais pour qui raison le faire comme ça, je ne sais pas. Parce que le pas dit, je ne sais pas dit nous ça dans la Bible, s'il dit nous, pourquoi ne sais et moi comprendre. Yon bonjour, comme l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Yon le cas privé, nous allons comprendre pleinement, mais pour qu'on y a, nous pas comprendre comment, mais seulement observation, c'est que nous, ouais, c'est comme ça lui opérer. J'ai quelques commentaires. Allez-y donc. J'ai quelques commentaires sur deux questions que frère Léosier t'a posé avec pasteur Mathias. Merci frère Alner. Mwen men simplicité et pasteur Mathias nan réponse li yo. Se deux dernières questions côté li te mandé côté moun ki sauvé côté ou ikounya. Mwen se vise mais moi même dan mal ti kras pi loin nan Ecclésiaste 12
verset 8 à 9, t'as fait me sentir que bon séparation fait. Alors, bon, tout le verset, il dit, et Ecclésiaste 12, verset 8 et 9, il dit, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Comprendre à partir de verset ça que bien bien mal comprendre, mais l'homme mourit. J'en passe ce matière, c'est-à-dire pas qu'il y a tout le monde dans le ciel, mais l'esprit a quand même avec Dieu en attendant que eh bien il y a réconcilié, rencontré encore leur résurrection, mais en attendant nous t'as qu'à anticiper pour nous dire et l'esprit avec Dieu. Alors parce que tu es capable d'intervenir sous ça. Bon, alors nous capable d'éclaircir tout. Oui, nous comprenons. Là nous te posons question, on a parlé de l'âme de la personne. Nous connaissons clairement, tout chrétien supposé connaître clairement, quel que soit mon nom, que le t'es converti, que le pas converti, depuis nous l'esprit tourne à l'œuvre de bon Dieu. C'est pas gain à sortir de ça. Bon Dieu prend l'esprit back. Ça fait nous faire différence entre le corps, l'âme et l'esprit. Il pas jamais parler de jugement ou bien en qu'un rien de l'esprit, c'est toujours de l'âme. Tout ça gagne pour le futur, c'est l'âme. Esprit a quand même à tourner joindre bon Dieu, que vous n'êtes converti, qu'elle pas converti, son bagage automatique qui naturel. C'est ça pasteur Mathias. Oui, et définitivement, alors assez souvent mon confondre l'esprit et l'âme, parce que, et ceci même dans les écritures qui sont arrivées, il y a une façon d'utiliser deux mots interchangeablement, mais qui ne signifient pas même bagaille, parce que 1 Thessaloniciens 5, 23 dit nous que l'homme en entier soit conservé irrépréhensible, l'esprit, l'âme et le corps. L'homme est trichonomique. L'homme, c'est la trichonomie de l'homme, fait nous connaître, l'homme est composé de trois parties. Et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Par exemple, les Jésus t'a expiré sur la croix. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tandis que Pierre dit, non, son âme était aux enfers. Alors, c'est nous comprenons que il y a une séparation qui fait et rassemblage là fait encore autour du Christ. C'est quelque part dans la présence, parce que la présence de Dieu remplit l'univers. Il remplit tout espace. Et quel que soit côté hier ou dans la présence de Dieu, excepté les bons dieux, sa bon Dieu choisi, comme nous avons dit, qui c'est loin ni, c'est côté monde qui a souffri, monde qui dans l'état de son fait, yo pas dans la présence de Dieu. Mais Jean déjà dit nous, il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. S'il y a plusieurs demeures, c'est quelque part dans la maison de Dieu. Mais ça et dit langage la portée à confusion, c'est ça que fait nous devons éviter utiliser le concept. Très bien. Ça intervention sous avant dernière question fait de deuxième, tu as l'autre intervention tout sous l'autre question tu posais avant tout fait de deuxième. Allez-y donc. Lentement dit pasteur Mathias, est-ce qu'il t'a suspect qui nation qui puissance obligé existe dans retour et que encore une fois me dérime simplicité. Alors on va parler des deuxième retour de Jésus venu pour bataille dans guerre à Magédon. Lentement dit nation qui cap là. Et qu'elle te répond nous, nous mes détails qu'elle te parle. Alors moi-même, je vais continuer sur la même ligne que derrière pour me dire que j'ai décrit le Daniel que c'est le dernier empire qui s'est donné en empire humain. Je pensais que l'idée était pour nous, mais excepté que lui-même, lui pas voulait entrer dans ton détail, que moi, je pas peur entrer dans l'idée pour me dire empire humain, actuellement, pif au pays. Et bien, en européen, en pile l'autre déjà fait partie de l'Empire romain, et nous pensons qu'il y a toujours fait partie de l'Empire romain. Nous avons classe et anticipé pour me dire qu'il y a un pile dans les pays européens qui fait partie de l'Empire romain. C'est-à-dire que nous avons dit que ce n'est pas américain. Nous avons dit ça carrément, c'est pour l'Empire romain. Moi-même, mon petit détail sur un pire, mais pour avancer dans la même ligne, parce que définitivement, merci. Merci, frère Anner, ou éclairci, parce que Mathias bien répond tout.
Il va aller pour nous finir. Allô? Oui, allez-y donc. Autant de bien. Plus ou moins. Parlez. Ah, ok. Oui, ça que je m'étais dit, c'est surtout pour une sous-génération. Oui, ou t'es question qui était sous-génération. Même genre, ou t'es répondu, ou t'es dit, li pas en sens, on t'a capable de dire littéral. Li pas en génération, on t'a capable de dire. Dans l'âge, ni dans la façon, donc c'est une génération juste, que tu écris, c'est lui-même qui au-delà de tout. Tant et lui, même principe, il y a même méthode, il y a comment il est là, il n'y a pas j'entends de parler de. Regardez-moi. Ah, dernière question, mon pasteur Mathias, c'est sous Gog. Magog nous dit ça, mais en plus, le monde pas qu'on est un thème, il a parlé de Gog, Magog. Est-ce qu'on a. Bah, nous, une petite lumière sur ça pour téléspectateurs et télévision comprennent de la parler de Gog Magog. Qui ça le pensait? Qui sont pensés de ça, s'il vous plaît? Bon. Le nous allons dans Ézéchiel, chapitre 37 et 38. Il parlait de fond en comble, de Gog et de Magog. Et le nous, il parlait de Tubal. Et non, brièvement, pour ne pas faire trop long, Non, le parle de Gog et Magog, li parle, et nan Ezekiel, li parle spécifiquement de yon pays qui situé directement au nord et de Jérusalem. Et géographiquement, le commentateur yo vérifié, li parle de pays de Tubal. Et ce pays là où ici, et qui surgirent dans la recherche comme étant pays, et pays Gog, il parlait de Gog au pays de Magog, c'est chaîne pays qui en dans la Russie que nous connaissons aujourd'hui. Et le pays, ça a gagné pour le fond va sous Israël, et aussi pas gagné un consensus parmi les commentateurs pour dire exactement qui le va ça a fait, mais il y a un commentateur qui mettait lui qui dit c'est un événement qui est capable d'arriver peut-être pendant événement qui a passé dans première partie semaine non, se pourrait-il bien que c'est dans zone ça arriver et que Gog, parce que les Gog arriver, Gog va attaquer Israël et Israël a levé campé. Et les anges de Dieu a défendu et en pile moun nan l'armée Gog et Magog la a tombé. Tandis que les rivé dans chapitre 20 dans Apocalypse a li mentionné Gog et Magog tout parce que c'est pas disparaître Gog et Magog a disparaître. Même Gog et Magog ça a quitté et fait d'appuyant sous Israël là, la paraît à la fin des temps parmi les nations comme groupement qui t'ava aligné yo avec et Satan le diable et c'est comme d'ado bon Dieu attendre la prétendre parce qu'elle doit for Gog et Magog participer là parce que faut réduire faut finir avec yo et nous croit que Gog et Magog et alors juste pas c'est dans Matthieu c'est dans Ézéchiel 38 là. Et juste pas songer verset exactement, mais au monde on croit pas lire verset chapitre 38 37 et 38 dans Ézéchiel. Mais Gog c'est pays et c'est groupe de pays qui en dans et là où ici et qui sous compte là où ici nous quoi qui gagne pour attaquer Israël dans dernier jour et nous quoi que éventuellement Jésus-Christ a retourné. La retourner non seulement vient chercher l'église là dans son avènement et li praler et la grande tribulation a faire rage sur la terre pendant 7 ans et pendant 3 ans et demi Israël cap fait contrat avec plusieurs pendant 7 ans ça avec l'antéchrist là nous comprenons dans mi-temps semaine non et la craser contrat c'est le ça l'abomination de la désolation à privé et l'antéchrist là demande adoration dans temple là et Israël a campé pour lutter. Israël a campé plutôt pour la courir à le cacher dans le désert là côté bon Dieu préparé pour lui pendant 1260 jours pour la cacher
et bon Dieu a protégé lui. Et pendant ce temps, il y a 144 000 juifs qui ont prêché l'évangile, il y a bien deux témoins et aussi il y a bien trois anges qui ont survolé la terre, qui ont prêché l'évangile du royaume, il y a l'évangile éternel. Et après quoi, Jésus-Christ a retourné physiquement parce qu'il t'a dit, l'aile retournait, tout œil le verra et même ceux qui l'ont percé. L'a retourné, vin établi, vin disparaître l'armée, ça y est, qui campait contre Israël. Et la vin établi royaume millénaire là sur la terre. Jodi a, moun kap tande nou. Moun ka di a, oui, moun remè discussion. Mais cependant, c'est pour que moun ki jam pren décision pour bay la vie yo à Jésus. Si ou ka pren temps pour chita la pour tande nou, nous croyons que ta vaut la peine pour bay Jésus-Christ la vie yo aussi bien. Et si ou pas, moun ki bay Jésus-Christ la vie yo, c'est moun ki t'as dit qu'intelligent, moun ki pa vle pour y aller dans le feu éternel, mais yo fait yon virage en nu et yo vin joindre Jésus et yo vin lè vin joindre Jésus, Jésus a bay ou la vie pa jam fini. Ou même kap tande mwen de loin ou de près, n'ap invité ou pour accepter Jésus comme sauveur et seigneur. C'est vrai, la retourner et les paroles li c'est oui et amen. Certainement la retourner, mais est-ce qu'on gen assurance que si ou al couche à soir ou pas lever? Et ou même les trompettes la sonnaient ou praler avec Jésus. Est-ce que ou quoi si trompette la sonnaient à soi à couper la Jésus? Parce que moun qui prale à Jésus, c'est moun qui accepte le comme sauveur et seigneur, c'est moun qui accepte et persévérer dans parole li et vivre une vie chrétienne comme ça droit. Est-ce que ou même à soi ou prêt? Moi prêt. Moi espérer que ou même aussi ou prêt. Et c'est ou même captant dem sou pou ko kont Christ, mais ça sa soue assez pour. Et lorsque Jésus retournait, l'établi royaume nian, et à la fin des 1000 ans, l'a disparaître Satan a tout diablio pour aller dans le feu de la géhenne et ensuite la terre disparaître. Comme je le dis dans 2 Pierre 3 verset 11 à continuer, la terre disparaît et en Apocalypse chapitre 21 les versets tout chapitre 21. Et nous croyons que il pral gon nouvelle terre et ap gon ville la nouvelle Jérusalem qui descend saute en l'air dans ciel là vin sous nouvelle terre là et n'ap vive avec Jésus dans la félicité éternelle. Est-ce qu'on prêt pour entrer la dan avec Jésus? Est-ce qu'on pas ta remet ou même tout compter parmi les sauvés? Assoyez un message là c'est pour vous, m'espérer qu'au temps d'elle la guerre averti pas tuer Kokobé. Qu'il en soit ainsi pour vous. Merci, 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 Pasteur Paul. Ou bien ou te soutenir l'église, t'as tendé Bible en main, ou édifié. C'est le moment pour nous finir. Nous connaissons que nous tourner encore parce que nous gagnons l'autre étude. Chaque samedi, 9h, Pasteur Paul Mathias. Chaque jeudi, Pasteur Robert Opon. Et nous gagnons l'autre étude encore. Restez connectés avec Télé l'église, mais dans le moment, ça. Nabdi ou, bonsoir, moi-même, ensemble avec Pasteur Labode, nous disons au revoir, ensemble avec l'autre pasteur. Prends précaution, passez bonne nuit, merci beaucoup parce que vous avez été branché sous Télé l'Église, que bon Dieu bénisse.